commence à grossir ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez. Donc on commence la journée avec un temps qui est ensoleillé dégagé, une température extérieure à 8-9 degrés, une température de l'eau à 14 degrés, une marée qui est en train de filer de monter, le plat haut est à 9h50 avec des petits coefficients de 54. Sur ce montant, le vent est offshore établi est-sud-est, un beau fort, des rafales à 2, le plan d'eau est très propre et on a une belle petite houle longue avec en seconde période une houle orientée ouest à ouest-sud-ouest qui est très propre, très jolie et qui commence déjà à regrossir. Il y a un 50 cm régulier, 70 cm aux séries, et sur les grosses séries un peu plus rares, un peu plus espacées, on est sur du 80 cm. C'est joli, c'est mignon, c'est calé, c'est parfait. Il y a un petit peu de monde à l'eau, la barre est facile à franchir, les vagues sont accessibles pour tout le monde. Ça commence à être surfable avec tout type de planche. Les faces de vagues sont lisses, les épaules sont un peu molles, mais c'est quand même du petit surf bien propre ce matin. Évolution pour le reste de la journée. Ben, on va rester à la mi-journée dans le 50 à 80 cm et ça devrait grossir un peu plus en soirée. La bouée Arcachon est à 1,30 m et 5 secondes. Donc à 13h encore 50 à 80 cm, ou ouest à ouest-sud-ouest, 11 secondes de période, le vent qui passe sud-sud-est dans les deux, peut-être 3 beauforts. Et à 17h, on devra avoir 80 cm à 1 m, ou ouest à ouest-sud-ouest, qui s'allonge avec 12 secondes de période et un vent de sud-ouest à 2-3 beauforts. Un peu plus dégradé la deuxième partie de journée, mais il y aura quand même du surf et de l'action jusqu'à ce soir. Voilà pour le report de ce matin, le prochain point est à 11h30. À tout à l'heure, merci.